La 3. Bonco. Salut. Salut. Je t'ai appelé fatigué là. Je me sens pas bien. Tu es à quoi? Tu as de la fièvre là. Ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. Ça ne va pas du tout. Depuis là, j'ai pris les médicaments et tout, mais bon, ça ne va pas du tout. Alors ça devient sérieux. Tu vois que tu as même maigri. Mmh. Putain. Donc, prends ton rétablissement quand même. Mais je voulais te dire quelque chose. Moi, je connais un vieux marabout à côté ici. Il est très bien, oui. Ouais. La plupart, il règle ses maladies pareilles. Donc, essaye de le rencontrer. Tu vas tenter sa chance aussi. Hein? C'est un bon marabout. Il a soigné beaucoup de personnes dans le quartier. Il est vers où? Il est juste à côté. Tu tournes le premier carrefour à ta droite. Il y a un étage blanc là-bas. Il habite là. Okay. Tu connais, là? Peut-être tu l'as entendu. C'est un vieux diao. D'accord, oui, oui, je l'ai. Ah non, je vais t'accompagner, c'est mieux. Porte quelque chose, je t'accompagne. Merci. Tu as de la fièvre là. Allez, laisse-toi, je vais t'accompagner, hein. Il va tomber malade. Le deuxième à ta droite. S'il te plaît, prends ton tablissement. Porte-toi bien, Yva. C'est qui? C'est Yva. Bonjour. Bonjour mon fils. Je peux m'asseoir. Merci. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi par là. Vous allez bien? Ça va mon fils. Comment ça va? Ça va. En fait, je suis malade. Ça fait quelques jours. J'étais à l'hôpital, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir de médicaments. Donc, il y a une amie qui m'a conseillé de venir. Oui, j'ai su avec mes anges. Je savais que quelqu'un allait venir. Oui, je parle avec mes anges. Ils m'ont dit que quelqu'un allait venir. De teint noir. Heureusement, tu vois. Maintenant, mon fils, tu peux m'expliquer ce qui t'arrive? Moi-même, concrètement, je ne sais pas. Parfois, j'ai mal au dos, j'ai mal aux reins, j'ai mal à la tête. En fait, j'arrive pas à localiser l'endroit qui me fait mal exactement. En fait, j'arrive pas à localiser l'endroit qui me fait mal exactement. Ok, mon fils. Donc, on va voir. On va laisser à Dieu pour savoir ce qui t'arrive, mon fils. Ok? Ton nom, c'est comment? Yva. Prends ça, prends le sapelet. Prends, je te dis. Donne-moi. Ah, mon fils. Il faut dire Dieu merci. Je remercie. Ta maladie là, c'est une sale maladie. C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie qui tue d'un moment à l'autre. Mais ça, je ne peux pas te mentir. Il y a toujours des remèdes. Ok? T'inquiète, je vais t'aider. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. D'accord.
Tu vas aller à la maison. Arrivé à la maison, tu vas te coucher. Maladie très contagieuse. Et puis cette maladie-là, c'est une maladie qui est dans tout le monde. Tu as entendu parler de coronavirus? Mon fils, ne t'approche pas de moi. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie contagieuse. Que je ne veux même pas que ça me touche. Et ce que tu vas faire, tu vas aller chez toi. Tu vas te coucher chez toi. Quiconque viendra te rendre visite. Tu comprends ce que je t'ai dit? Quiconque viendra te rendre visite, il faut tousser sur lui. De façon... Oui, tu tousses, tu fais un jeu sur la personne. C'est fini. Si tu fais ça là, ta maladie va se transformer à la personne que tu as touchée. Et moi, alors, et toi là, tu seras guéri. Hi. C'est le seul remède que je vais te dire. Arriver à la maison seulement, quiconque viendrait te rendre visite, il faut toucher sur la personne. La maladie se transformera à la personne. Ok? C'est tout. Maintenant, pour votre salaire. Pour mon salaire, là tu vas me payer. Tu as combien? Présente-moi là, c'est combien? Donc tu vas me payer 20 000. Je ne sais pas 20 000, mais je peux vous donner l'avance. Quand je serai guéri, vous allez partir chercher le reste. Ok, il n'y a pas de problème, mon fils. Mais okay. Je vous promets. Non, il n'y a pas de problème. Au lieu de durer ici, va-t'en. Moi, dans une semaine, j'irai chez toi. Tu vas me remettre mon argent. Ou bien dans une semaine, tu viens chez moi, tu verras tu me donnes mon argent. Ok? Okay? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Quiconque viendra chez toi, tout sur la personne. La maladie se transformera à la personne. Sois patient, hein? Merci. Bye. Attends. Il fait une semaine que je n'ai pas vu ce mec-là. Ce jeune-là avait pris mon argent-là. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il vit? Je ne sais même pas. Mais quand même, néanmoins, je vais aller lui. Oui. Eva, ça va mieux? Assure! Je te demande, assure! Mon argent, c'est ça que je veux. Lui n'est pas malade. Assure! Hey! Y'a quoi chez moi? Assure! Hey! Excuse-moi. Tu sais le gars là? Hey! Asio! Le gars là? Asio! Hey! Asio! Je vous parle là! Le gars là, c'est quelqu'un qui est mauvais! Asio! Hey! Lui, il est mauvais! Moi, je l'ai aidé pour avoir le médicament. Asio! Il a coronavirus! C'est une phobie de quoi ça? Il a coronavirus! Quoi? Asio! T'allais sortir ici! Si il tout sur toi, le coronavirus va nous transporter. Coronavirus est un virus très dangereux. Si vous vous sentez malade, protégez-vous, allez-y voir votre médecin. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon.